Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Wolsu de Final Fantasy V sur Super NES. Donc nous sommes aux portes du château d'Exdeath, donc c'est juste en haut, on va y retourner une nouvelle fois. Alors savoir que quand on va y aller on ne pourra plus revenir dans ce monde-là. Un peu comme dans le premier monde, il y a certains lieux auxquels on ne pourra plus revenir par la suite. Donc vaut mieux faire voilà, tout ce que l'on a à faire, les quêtes secondaires, la caverne de Gilles aussi, je vous l'ai montré, je vous ai montré où elle était, on a juste à marcher en fait pour gagner des Gilles. Le problème c'est qu'il y a un monstre très balèze dedans et il est très très puissant, donc faut essayer de ne pas se faire tuer par lui. Donc le château d'Exdeath, c'est pas forcément le donjon le plus facile hein, que l'on ait eu à faire depuis le début du Wolsu, hein. Là on a une petite source. Voilà, de vie. Ouais, je vous la montre, mais bon, c'est pas obligatoire, sachant que j'ai toute ma vie. Donc, on va grimper. On a pas mal de coffres ici d'ailleurs à récupérer. Donc, le but c'est de se rendre au sommet. Hein. Donc là, on est au deuxième étage. Vous avez compris, on va devoir aller tout en haut. Ça contient parce qu'on a déjà des combats aléatoires. Bon, les loups sont pas très puissants. Hein. Je crois que c'est les monstres que l'on avait déjà affrontés quand on était venu ici la première fois. Donc. Pas trop avoir de problème, vous allez voir. Ouais, ils sont pas super puissants. J'ai pris Kara en samouraï. Je vais voir ce que ça donne. Pour voir si c'est puissant ou pas. Ça commence bien parce que. Ah, ces ennemis-là sont assez résistants quand même, vous avez vu pas combien ils ont de points de vie, mais vraiment pas mal. C'est de qui là le lapin? Je peux du tout pas de combien ils ont de points de vie. Ce sont des ennemis qu'on pouvait déjà affronter au début de ce moment. Bah, voilà, je tape à 1400, c'est un peu c'est bizarre là parce que tout à l'heure je tape à 600, là je tape à 1400. Je comprends pas trop je comprends pas le délire là. Bon, le problème c'est que voilà, le lapin ressuscite. Ressuscite un monstre. Bon, au moins ça vous montre un petit combat aléatoire. Je vais pas tous les faire parce que voilà, vous avez vu. Si je dois me faire encore 15 combats aléatoires comme celui-là. Pas d'intérêt quoi. Donc un éther. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Un bouclier de diamant. Alors par contre, je crois que j'ai pas les meilleures équipes. Ah si, bon j'ai la R-Lance. J'arrive pas à trouver de meilleurs équipements que ça. Pour le moment, je sais pas pourquoi, mais. Bon. J'arrive pas à trouver mieux, tant pis. Ouais, bon, voilà, l'assurance les a fait. Hein. Donc là, vous avez compris, tuer d'abord le lapin. Parce que lui, quand il meurt, il fait vie. Donc. C'est quand même un peu con de devoir se retaper encore un ennemi une deuxième fois. Bon, là, ça va être cool. Maintenant, comme je vais faire tous les combats, bah, je vais en avoir un tous les deux pas. Donc. Ça va être super. Alors là, c'est un cul-de-sac. Hein. On n'a rien à faire ici, c'est cool, on a même pris un revers. Alors je suis heureux, apparemment ils ont miroir. Bon, ce qui est con, c'est que. La magie, moi, avec Kara, je m'en fous un peu, donc. Ça serait bien de fuir le combat maintenant, parce que j'en ai un peu marre. Bon, on va essayer de taper. Voilà. On va essayer de taper ou pas. Donc voilà, on va revenir. Thank you.
Et nous voici dans le vrai château d'Exès, donc l'illusion s'est enfin dissoute et on va pouvoir maintenant retrouver le sorcier qui n'est autre que l'arbre en fait hein, de la forêt. Hein. Exès, on l'a appris de la bouche du sage, c'est juste un arbre. Et je sais, c'est comme ça. Voilà, c'est cool, je commence quand même à taper un peu plus fort. Tiens, je vais me le faire chez le combat, vous savez quoi? Alors la magie, voilà, il tape à 8. Bon. Ça me fait un peu ni chaud ni froid. C'est bizarre, tout à l'heure je tapais beaucoup moins fort et... Ah, c'est peut-être pour les lézards, ils sont sans doute une très bonne défense. Parce que je suis en train de penser, peut-être que j'ai pas encore des persos au bon niveau. Si, si, je peux qu'avoir des persos au bon niveau, je suis au niveau 37. Donc, ce que j'ai augmenté d'un niveau entre cette vidéo-là et la dernière. Pas déconner, j'ai pas retourné le combat non plus, quoique non, il est facile celui-là. Oui, sur si j'ai 75 000 monstres au combat, ça va peut-être pas le faire. Bon, ce qui est cool maintenant, c'est qu'on gagne, vous avez vu, 3 points de compétence par combat. C'est quand même beaucoup mieux que de gagner un seul. Je vais vous avouer que faire du level up de compétences avec un seul point de combat par combat, c'est. Un seul point de compétence par combat, pardon. C'est pas terrible. En tout cas, vous allez voir qu'il y a beaucoup de coffres ici, pas dur à récupérer, contrairement à la forêt où là j'avoue que je me suis un peu perdu. Vous avez vu la petit passage caché. J'hésite là s'il faut continuer là ou en haut. On va bien voir. Voilà, quand je vois les trois lapins, ça me fait un peu peur quand même, parce que si les trois se remettre leur vie. Pardon, on va passer par là. Hein. D'accord, en fait, c'est libre. On va passer sur la droite, soit sur la gauche. Hein. Là, faut mettre la technique passage hein, pour voir les passages gâchés, bien évidemment. Alors là, vous allez voir ici. À prendre un risque absurde, c'est que on est obligé de passer dans la lave. Le problème, c'est quand on passe dans la lave, en fait, on perd beaucoup de points de vie. Alors, on ne meurt pas. Minimum c'est un point de vie hein, donc on ne meurt pas mais les points de vie descendent à un point. Vous allez voir là, voilà, j'ai vu, j'ai fait un risque qui est déjà KO. Alors heureusement que j'ai quand même pris pas mal d'objets pour me soigner. Sinon ça ne l'aurait pas trop fait, ça je vous l'accorde. Le coffre hein, qui se trouve à droite. D'autant plus que dans ce donjon là, on a pas mal de boss, on a pas mal de choses à récupérer, vous allez voir ça. Il faut aussi une nouvelle fois avoir la commande volée. Vous allez comprendre. C'est un bon truc, hein. Faut vraiment l'avoir si on veut récupérer quelque chose. Alors voler bien évidemment, voler un ennemi. Hein. Vous en dire plus, hein, vous allez comprendre par vous-même. Ici, un élixir. Je commence à avoir pas mal des élixirs, je n'utilise jamais. Je sais pas, je n'éprouve pas trop le besoin. Oups, un monstre. Est-ce qu'on peut le fuir? Quand ça va, c'est juste un gobelin. En revanche, si le gobelin commence à.
Esquiver les attaques, ça va peut-être pas le faire. Ok, en fait il va vite me gonfler, je sens, donc vous savez quoi, je vais lui faire feu 3 et il va vite dégager parce que là. Voilà, parce que s'il commence à esquiver toutes mes attaques, ça va peut-être pas le faire. Parce que là vous allez voir, on va devoir faire arrêter, voilà, la plateforme au bon endroit. Donc là on va récupérer les deux épées, donc l'épée côté dessous. Ah, donc, le bouclier de glace. En revanche, c'est pas pour lui ça, hein. Je crois que c'est pour le ninja, je sais plus, on va voir. Ah non, samouraï. Eh ben lui c'est quoi? Ah non, c'est chevalier dragon, autant pour moi. Ok, je me suis encore trompé. C'est un peu chaud quand même. À savoir là du bon coup. Lui on l'a déjà buté, non? C'était dans le château de Galuf. Je trouve que c'est le même en fait. Donc j'ai pas eu trop de problèmes à le buter, donc j'imagine que là ça devrait être la même chose. Ah, il a quand même beaucoup de points de vie, hein. Ah, je suis étonné là. Voilà, bon, feu 3, il résiste pas trop quand même. Je vais pas économiser les magies parce que j'ai un. Ah, fais chier. J'ai un point de magie. Peut-être pas le faire, j'ai du mal. Est-ce qu'on peut fuir? Ah non, on peut pas fuir. C'est ça qui est chiant, c'est qu'on est obligé de se le faire. Au moins, vous avez vu tous les combats là de la zone. Cette fois-ci, vous n'allez pas pouvoir dire que je ne montre aucun combat. Il faut. Je les montre. Pas tous, mais je les montre. Ouais, mais il avait un peu moins résistant celui-là. Alors, on recommence. Voilà. Tison Douglas. Bah, bon, là. Pas se tromper ici. Hein. Ici, on va prendre. Non, on va rien prendre pour le moment. Là à droite, on le voit, le coffre. Alors là, même si on n'a pas la technique passage, ce qui est. J'en doute, hein, je pense que tout le monde a la technique passage ici. Bon, on l'avait déjà buté dans la tour. Pourquoi il fuit pas? Ça m'énerve. Merde. Ah oui, évidemment, oui. Alors, le feu. J'arrive pas à fuir. Ce serait cool de se barrer du combat quand même. Parce que j'ai un peu pas que ça à foutre. Je vous l'accorde. Ils ont du mal à fuir quand même. On va essayer de faire comète. Ça marche pas du tout. Je sais pas du tout comment le buter lui déjà. Je crois que Titan ça marche bien contre lui. C'est ce que je vais faire. En attendant j'essaie de fuir quand même, on sait jamais. Si ça c'est pas terrible. Enfin. Putain. J'espère que je vais pas encore me le retaper parce que. Bon ça va. Mais c'est vrai que celui-là. Ils en camin. Donc un élixir. Ouais, un élixir, j'en ai comme les objets que je récupère. Là, il n'y a pas de secret, je sais pas pourquoi. Il y en a encore un sur la gauche. Ah, c'est facile, attaque en premier. Je dois pouvoir me barrer, non? Voilà. Il y a des combats comme ça où. On comprend pas, on n'arrive pas à fuir. 9900 pièces d'or, enfin 9900 gil. Je commence à prendre le réflexe de parler en pièces d'or, ça me saoule. Ok, bon bah là si je me tape un Blue Dragon et un Red Dragon, c'est peut-être pas le faire, on va se barrer. Enfin, j'ai le niveau, j'imagine que le dragon bleu est quand même un peu moins puissant que le dragon rouge. Ouais, 9e étage. On arrive à la fin là du donjon. Hein. Là on va redescendre. On va se remettre de la vie parce que là on va devoir marcher marcher dans le feu.
Je vais pas attaquer là. Voilà, donc le dragon jeune, je vous en parlais, dans la vidéo de la tour. Si vous voulez, dans la tour, on avait des coffres piégés. Et en fait, on les rencontrait ceux-là. Au lieu d'un dragon rouge, en fait. Donc on avait soit ceux-là ou soit le rouge. Ça ne me fait rien, j'aimerais bien me barrer maintenant. Voilà. J'ai pas trop envie de trop perdre de points de vie, parce qu'au fond on a un coffre, il me semble. Ok, là je dois être... Voilà, je suis mort. Parce que là, s'il y a un combat, là, je me fais poutrer. Donc, alors, petite astuce, si vous avez plus de points de vie sur un de vos mages, changez de job vite fait avec un perso qui n'utilise pas de magie, soignez-vous. Voilà, c'est un petit petite astuce. Au lieu de toujours utiliser votre mage blanc, bon là j'ai assez de points de magie donc. C'est pas super super grave donc. Je fais avec. Dixième étage. Est-ce que j'ai encore mes points? Non, j'ai plus de points de vie. Alors la petite énigme, vous allez voir, on a des interrupteurs sur le sol. Faut savoir qu'on a certains. Certains interrupteurs sont piégés, d'autres non. Ceux-là, par exemple, là, ce ne sont pas piégés. Ça me permet d'activer levier. Là, la double lance. Parce que la double lance, c'est pour le dragon. Double lance, non. Apparemment, non. Bah, je crois que je vais changer de job. Hein. Je ne fais pas la garde en samouraï, parce que j'aime pas trop ce job. On va soigner, voilà, le perso ici. On prend une tente. Donc là, on va revenir en arrière. On va pas monter hein, l'escalier pour le moment, parce qu'on a une petite quête secondaire à faire. Donc là, les dalles, celles où je ne marche pas, sont piégées. Hein, donc, vous marchez exactement à l'endroit où je marche. Là, j'ai fait toutes les dalles non piégées. Donc, on ne va pas trop avoir de problème. Donc, on va se remettre de la magie. Hein. Et là, vous reconnaissez cette flamme. Donc, c'est la flamme des espères. Donc, bah, vous savez, un combat contre un espère. Alors c'est un combat qui est assez spécial. On va se mettre gel 3 voilà, sur notre épée. Alors le problème c'est que lui il a comme magie miroir sur lui. Donc si on veut lui balancer de la magie, on doit s'en remettre sur nous. C'est quand même pas une bonne chose. Bon là j'ai loupé mon attaque. On va essayer de faire hâte 2 voilà, sur tous les persos. Et peut-être que l'on va. Non, je pensais aller lancer la rage sur le bot, mais en fait non. Alors, le problème voilà, c'est que si on se fait. Si on se fait la bonne magie là sur. La magie miroir, pardon, sur. Sur bot, ou bah 1700. Si on se fait miroir sur bot, ben le problème c'est que. Ou sur Faris, ou qui vous voulez, quoi. Vous n'avez plus pouvoir. Vous soigner. Là, je tape à 800, ça c'est cool. Je crois qu'on va suivre cette stratégie, hein. On va juste taper comme ça. Et voilà, ça c'est fait. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est juste à le taper avec. Avec Butt, en chevalier, comme ça, avec l'épée. Et on gagne l'Esper Carblink. J'avoue que c'est très rare quand même qu'il tue du premier coup. Il fait de la chance, mais généralement, il fait. Enfin, généralement, c'est pas très rare, mais généralement, il fait pas, quoi. Généralement, il loupe l'attaque. Donc là, voilà, Carblink qui se rajoute là. Donc, on manque encore là, l'Esper de niveau 3. Hein. On le récupérera bien évidemment un peu plus tard. Je sais pas du tout, je reviens. Ah d'accord, je remets là. C'est super. Bon, bah, j'aimerais faire un petit tour dans la lave.
Bon, on revient juste là, donc ça va. Je crois d'ailleurs que je vais réutiliser. Un duvet, hein, je pense, hein, parce que... ou une tente. Déjà, j'ai des combats aléatoires, alors en plus. Mais j'avoue que c'est assez chaud quand même de la vaincre. Soit vous utilisez cette stratégie-là, ou soit vous utilisez avec de la magie. Carbone craint le feu et. Enfin, craint la magie. Pas de résistance particulière, il me semble. Mais voilà, faut... option, voilà. Après, si vous faites cette stratégie-là, faut être très patient. Le problème, c'est que je ne me suis pas. Ah oui, j'ai vu que la tente, en fait, ça ne remettait pas. Ça ne remettait pas toute la vie. Enfin, ça remettait de la vie, mais pas les points de magie. J'ai pas vu ça comme ça. Alors, 11e étage. On a un coffre ici qui est vide. On va changer les pouvoirs. Et on va mettre le pouvoir dérobé. Après, si vous ouvrez le coffre, hein, c'est vide. Je vais pas. Bon, c'est vide, il n'y a rien. Je suis même pas pour vous dire si on est obligé de l'ouvrir le coffre. Donc... Quoi Gilgamesh a déjà récupéré ce qu'il y avait dans le coffre. Donc c'est parti pour un nouveau combat contre Gilgamesh, qui va être quand même beaucoup plus simple que le combat contre Carbonka, hein, parce que c'était une quête secondaire, hein, tout simplement. Donc on va faire hâte sur tout le monde. Ça doit être maintenant le premier réflexe contre les boss, c'est de se faire booster sur tout le monde. Et on va essayer d'invoquer... Je sais plus ce qu'il nous fait Carbonka sur nous. Ah oui d'accord, il nous fait tous miroirs. Ouais. Bon, j'ai peut-être fait la plus grosse connerie là. Par contre, je sais pas du tout si c'est fait exprès là le décor ou si ça a bugué, mais. J'en sais rien. Bon, bah, on va devoir se jouer avec la magie, hein. C'est super. Enfin, avec les objets, pardon. Ça dure pas éternellement, donc. Tant mieux, quoi. Dans le but, voilà, c'est tout simplement de le taper, hein. Jusqu'à ce qu'il change de forme. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi je vais utiliser la magie. Enfin, la compétence volée. Ah, mais j'ai plus miroir, tiens, cool. Je suis en train de me rendre compte. En fait, quand on fait miroir avec tous les personnages, j'ai l'impression que ça dure moins longtemps que si on le fait avec un seul. Encore heureux d'ailleurs. On va faire cure 3, vous savez quoi? Ça sert à rien, mais. Moi, tous mes persos regagnent leur point de vie. Et là, on est quand même super cheaté, hein, avec. Avec soin 3 quand même. Oui, alors Gilgamesh parle énormément pendant les combats, ça vous en êtes rendu compte déjà. Oula, ça fait super super mal ça. On va faire cure 3 celui parce que là, si on met à 3 points de vie, je crois que c'est. Ça fait même pas de points de dégâts, ça nous met juste en état critique. Enfin, je pense, je suis pas sûr encore, hein. Qu'il a quand même beaucoup de points de vie. Hein. Bah, apparemment, il a dû louper son attaque là.
Et voilà la véritable forme de Gilgamesh hein, avec, avec toutes ses épées, voilà. Donc on vole le casque Genji, bon, ça j'ai eu de la chance, hein, je l'ai eu du premier coup. Donc maintenant on va pouvoir le poutrer, hein. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait faire, c'est voler le casque Genji. Un peu la manière en fait de FF12. Donc là il a dans la main l'épée qu'il avait volée dans le coffre. Alors, on va faire une petite magie noire pour voir s'il craint feu 3 par exemple. Ah oui 2300. J'ai pas osé la faire contre la forme parce que j'avais un peu peur de le terrasser rapidement. En fait non parce que quand il a plus le point de vie dans l'autre forme, il revient dans cette forme là, donc on peut pas le tuer dans l'autre forme. Donc, faut pas avoir peur en fait de le taper. De le taper le plus fort possible. J'espère le plus en TP pour le moment, il m'a pas forcément tapé avec beaucoup de. Avec une super puissance. Bon, ce qui est chiant, voilà, c'est que la stratégie là pour ce combat là, elle est pas super. Apparemment, Exes a fait un. Est arrivé. Apparemment, Exes aurait rappelé Gilgamesh. Donc, on gagne l'épée Excalibur. C'est celle-là qu'on peut équiper avec le chevalier, le mage bleu, le mage rouge et le chevalier mystique. On va pas la mettre parce que elle n'est pas super puissante pour le moment. Je vais revenir, je crois que je vais me reposer. On est reparti, je crois que j'ai récupéré toutes les armes ici, hein. Je sais pas du tout s'il y a encore un coffre à la récupérer dans la zone. Prière vert, c'est cool. Vu quand je cherche à pas perdre de points de vie. C'est un peu énervant quand même hein, de me taper des combats aléatoires. Après un boss. Non franchement c'est chiant. Il n'y a pas plus chiant que ça je pense. Le coffre. C'est vide, bah oui. Y'a rien dedans, non. On peut ouvrir 5-6 fois, c'est vide. Oui, j'ai compris. Vous êtes grimpé là, non? Je sais plus d'où ce qu'il y a ici. Ah oui, les coffres. Donc une roue avant. Ils peuvent se barrer. Ça, c'est chiant, voilà, si je fais une attaque en premier. Ils sont tellement lents pour fuir, ces cons-là. Que bah il fuit pas. Voilà. C'est con. En fait, ils font des magies tellement faibles. C'est bizarre quand même, hein, parce qu'ils tapent avec éclair 1. Enfin, l'éclair de. Je comprends pas l'intérêt en fait de taper comme ça. Partisan. Attendez, est-ce que je peux. Est-ce que j'ai des. Ouais, bah voilà, tiens, partisan, donc c'est le meilleur. Pour le moment le meilleur la meilleure lance, ce qui est beaucoup mieux là que on appelle ça que la R lance. J'avoue que ça me gonfle un peu d'avoir cette arme là pour Kara. C'est
pas terrible en plus, donc autant pas s'en servir. Bon, c'est bien parce que dans ce jeu on peut pas courir. Je comprends rien au système là de course hein, de ce jeu. Hein. Je comprends rien. Je sais pas si on peut courir. Il y a des fois on peut courir, il y a des fois non. Je sais pas. On va se remettre là, des points de vie ici par contre. Hein. On a des potions. On va l'utiliser. Et c'est parti pour le combat contre Exdeath. Donc, apparemment, ils cherchent pas forcément à créer un monde où le mal domine. Mais alors, qu'essaie-t-il de créer? On ne sait pas pour le moment. Donc, à deux sur les personnages, et c'est parti pour le boss. On va quand même pas essayer de jouer avec, avec la magie. Enfin, avec. On appelle ça. Avec les espères, pardon. Faut essayer voilà, de toujours garder un perso qui soigne. Parce que sinon vous allez avoir du mal. Donc, on va faire sauter Kara. Ah c'est cool ça. Il vient de me changer de position ce con là. Parce que ce qui est chiant en fait voilà, quand il fait ces attaques là, c'est qu'on est obligé de changer à chaque fois de position, gravité 100. Ah oui d'accord, faut refaire rang. C'est très bizarre le truc. Ah oui, défense c'est pour défendre et rang c'est rang. D'accord, parce que en fait j'ai rien compris en fait au système. Oula, lame de fond, ça fait pas du bien ça. On va essayer de soigner tout le monde avant. C'est d'être un des boss les plus compliqués que l'on ait affronté là depuis le début du jeu. Hein. Qui utilise quand même beaucoup de magie un peu foireux. Je suis en train de perdre des points de vie là, c'est très bizarre. Voilà, quand je saute, je perds pas de points de vie donc. Là, j'ai quand même beaucoup moins de problèmes. On va essayer de taper avec gel cette fois. Ça tape à 2000 quand même. Hein. Ah bah tiens, voilà, je viens de louper. Je viens de louper mon attaque. Je suis plutôt comme il lui reste de points de vie. Je crois pas qu'il ait énormément de points de vie non plus. Parce que là, vu comment je lui tape. On va essayer de faire scan pour voir combien il en reste. Le niveau 66 et il... Oh, il reste encore 16 000 points de vie et il est faible contre... J'imagine qu'il est faible contre sacré parce que là, faible contre la religion, j'ai un doute quand même sur la signification de ceci. Dimension, on va essayer de refaire hâte sur tout le monde. Parce que je vois que Kara a perdu... Perdu hâte. Savoir que dans la version française, ça s'appelle le Krail ou Krill, je sais plus du tout comment on dit. Mais Kara, c'est le nom japonais, il me semble. Hein. Donc c'est pas une erreur. Hein. C'est aussi son nom. Hein. Donc ah, j'avais bien raison en fait. Hein. Cette magie là, ça remet bien un nombre de points de vie super bas. Hein. En fait, ça n'inflige même pas de dégâts quoi. Enfin, c'est pas chiffré quoi, c'est... On n'a pas le choix. Ah, 900 en fait c'est pas terrible. Hein. Il y a que mon mage noir en fait hein, qui arrive bien à se débrouiller pour le moment. Voilà, si on suit cette stratégie, hein,
pas de, on devrait pas avoir de problème. Hein. C'est con, c'est que Butt perd des points de vie depuis tout à l'heure, c'est un peu chiant. Essayer de là de vite soigner le personnage, parce que j'ai plus de points de vie. Kara aussi qui tape à 1000. J'ai oublié que lui aussi s'amusait à me lancer de la magie. C'est bizarre quand même, hein. J'oublie des choses comme ça, moi. Je comprends rien à cette magie en fait là. Attends, Ah, mais je crois en fait ça me dissipe. Mes altérations magnifiques. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et oui, vous avez compris, on se retrouve devant le château de Deku. On sait pas pourquoi, mais on se retrouve dans un nouveau monde. Et cette fois-ci, vous avez vu, beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que les deux autres mondes, puisque tout simplement il s'agit des deux mondes réunis. C'est pour ça que je vous disais à chaque fois que certains donjons ne seront plus disponibles et d'autres oui. C'est parce que, eh bien, les deux mondes se réunissent pour récupérer la véritable world map du jeu. Donc nous, eh bien, on va se quitter là. Sur cette vidéo, hein, et on ira dans le château Tycoon de la prochaine. Donc, on espère que vous aimez celle-ci. C'est le cas de la prochaine pour la suite du Wusu de Final Fantasy V.